Bonjour, je viens vous voir pour une consultation au sujet de... Ah non, monsieur. D'abord, vous allez voir votre généraliste. Ensuite, il vous renvoie vers moi pour un bilan. Je vous renvoie vers lui. Je vous fais une petite ordonnance. Vous revenez pour une bonne dizaine de séances. Évidemment, ce ne sera pas réglé. Donc, vous retournerez chez votre médecin généraliste qui vous enverra vers un psychiatre faire un bilan, qui vous renverra vers votre médecin généraliste, qui vous renverra vers moi pour des séances supplémentaires. Oui, vous êtes une balle de ping-pong. Alors, est-ce que vous avez fait votre complexe d'Oedipe par rapport à Monsieur Macron? Oui? Ah, au sujet de mon trauma, j'aimerais revenir sur le harcèlement que m'a fait subir le chat de mon voisin. Ah non, non, c'est mort, madame. Moi, je consulte que pour les dépressions légères à modérées. Ah bah, c'est pas moi qui décide de ce que je peux faire avec vous, après tout. Ça sert à quoi l'autonomie, l'éthique, la déontologie? Allez, au revoir. Tout ce qu'on a dit au sujet des consultations reste évidemment entre nous. MDR, non? Non, il faut que je fasse un rapport à votre médecin ainsi qu'à la Sécu. Et il me semble que je dois en faire un à votre employeur ainsi qu'au Premier ministre, mais je suis pas certain pour celle-là. Bonjour, vous allez bien? Oh, pas trop mal, j'arrive à sortir un peu la tête de l'eau, mais ça reste compliqué car je trouve plus d'énergie pour... Ok, par contre, on arrive à la fin de notre temps pour aujourd'hui, hein. Il faut bien que je mange à la fin du mois. Ça fera 30 euros, s'il vous plaît. Merci. Alors, celui-là, c'est pour l'État. Celui-là, c'est pour le loyer et les charges. Et celui-là, c'est pour les outils et les formations pour que je puisse bien vous accompagner. Vous n'auriez pas une petite pièce?